Hello tout le monde, c'est Bonnie. We'll make it happen, we'll turn it round, round. Yes, we were born to make history. Born to make history. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, et c'est une vidéo tag. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tag, je crois. Alors, ce tag, c'est le tag Un couple parfait créé par Universlèche, je crois. Je suis pas sûre, mais je crois. Je suis pas sûre, mais je crois quand même. Alors, donc, ce tag, c'est plutôt basique. Ici, nous avons le nom des talons Schlech. Il y en a 11. Ici, nous avons le nom de jument Schlech. Il y en a 11. Je tire le prénom d'un étalon. Je tire deux prénoms d'une jument. Et je dis avec qui il irait mieux en couple. Et la jument qui n'est pas choisie retourne là-dedans jusqu'à ce que ce soit dame. Donc on va commencer au lieu de continuer à parler. Premier étalon. Univers. C'est mon bébé. Voilà Univers. Mon petit bébé d'amour que j'aime. Alors, et nous aurons Jasmine. Et. Ouh là là, tiet. Et Bianca. Alors, mon petit univers, je le verrai plus avec Bianca parce que ça fait un petit mélange. Je regardais un petit mélange blanc et gris. Enfin, gris et gris, vu que voilà, ce cheval n'est. Enfin, je sais pas, c'est carré gris. Un mélange, bon, putain, par contre, elle est grande, Bianca, ouais, j'ai inversé en plus. Elle est grande, bon, c'est pas grave. C'est vrai qu'elle est grande, non mais regardez-moi cette différence de taille. Mais c'est pas grave, la différence de taille ne fait rien. C'est notre petit couple, Univers et Bianca. Alors. Poker. Notre petit poker. Des talons Pinto. D'accord, son prénom tient pas. Je vais couper comme du coup. Hop, j'en ai deux là. J'en ai deux. Et il y aura Dakota. Et... Mystery. Alors, mon petit poker. Poker. Oui, en fait, non, mais il y a. Non. Oui, bon, bah, alors, je vois plus poker et mystery. Mais regarde-moi, ils sont trop mignons ensemble. Prochain coup. Bah, non, il est pas dans les cartes sauvages. voilà, hein, prochain coup. Non, mais j'aime beaucoup trop ce duo. Et Dakota, bah, tant pis, t'es moche. Au revoir. Tu retournes dans la boîte des célibataires. Hop. Et nous avons Napoléon. C'est pas la mise au point. De toute façon, c'est pas grave, il est moche. Napoléon qui sera accompagné. Bah, Dakota et le retour. J'ai pas fait gaffe du tout. Hop. Et. Étoile. Bon, en vrai, c'est poussière d'étoile, mais c'était trop long à écrire. Bon bah Dakota, tu reviens tout de suite. Et où est poussière d'étoile? Alors, bah là, franchement, voilà, ça va être Napoléon et Dakota. C'est le meilleur couple du monde. C'est le couple que je ship le plus, le plus, le plus, le plus, le plus, depuis que j'ai Napo. Voilà, regarde-moi ce petit tatou, il est trop mignon. Hein. Non, pas c'est pas vrai. Mais voilà, il est trop mignon. Voilà, je sais pas. Ils sont beaux. Hop, voilà, l'amour. Fou. On va mettre un petit cœur sur eux. Si je sais faire ça, est-ce que je sais faire ça au montage? Je sais pas, on verra. Donc voilà, d'accord, tu n'es plus célibataire, tu es avec Napoléon. Je suis sûre que tu me remercieras. Hop, ensuite, là-dedans, nous avons... Galopin. Et vous avez vu, j'ai refait son bout du nez. Voilà, c'était la petite info inutile. Et toi? Non mais... Regardez la seule qui sort, bah, bien évidemment c'est étoile. Ah, y en a un qui est parti se cacher derrière Galopin. Alors hop, on va te prendre Alice. Nickel, je l'aime pas elle. Galopin, désolé, hein, je voulais pas être méchante avec toi. Hein. Et t'en paix. Et t'en paix. C'est drôle tout ça. Tempête. Et Lisa. D'abord on va retirer ça, Galopin par contre. Alors, Galopinou, c'est pas que le choix est difficile, mais le choix n'est pas difficile, tu vas aller avec Tempête, ce sera très bien. Voilà, prochain couple dans les cœurs sauvages. Bon, lui, c'était moche. Prochain couple dans les cœurs sauvages, Galopin, Tempête. Voilà, voilà. Ah, le décor, il suicide.
Admet genre Miguel Opin, mais je suis. J'ai rien dit. Voilà. Je me suis... L'insulte, elle a failli sortir, hein, mais elle est restée. Alors, hop, ensuite nous voisins qui. Booba! Oh, mon petit poney. En fait, il ressemble même pas au vrai, mais c'est pas grave. Voilà. Regardez-moi comment il est beau ce cheval. Ça, on voit que c'est pas un 2017. Hein. Usher. Ah oui. Usher et. Tornade. Usher et Tornade. Alors là, c'est compliqué parce que c'est quand même un cheval de trait. Je pense que je vais me dire Usher. Parce qu'au niveau de la taille, ils sont plutôt similaires. Et Tornade est un peu plus petite. Donc au niveau de la taille. Mais il est vachement grand, Usher, quand même. Hein. Mais. C'est vrai que regardez la taille qu'elle fait. Non, mais c'est une gigantesque. Donc je vais faire Booba et Usher. Et Tornade, bah, ce sera pour une prochaine fois. Hein. Ah, j'aime trop faire des couples, c'est trop drôle. Quand tu vois tes chlèches là ensemble. Et que tu dis bah non, t'es moche, donc tu seras pas un couple. C'est beau. C'est beau l'amour. Ensuite, nous avons Rêveur. Oh, c'est mon bébé. Oh, c'est mon bébé d'amour. Oh, bah lui, faut qu'il ait des beaux. Il reste qui ça va, il reste pas des trop moches. On s'en rend à l'air sorti. Attendez, hop, hop, on va mélanger un petit coup comme ça avec les peaux du doigt. Puis à cette tornade, bah attends, ça c'est le destin. Artiste. Artiste, c'est une jument. Hein. Je me suis pas trompée. Hein. Je dis pas que. Artiste et étoile. Oh, mince, j'ai oublié. Regardez-moi cette beauté, mon petit rêveur. Oh, je l'aime trop. Je crois que c'est le seul custom dont je suis fière. C'est rêveur, il est trop beau. Je l'aime trop, c'est mon bébé. Oh là là, artiste, tu rentres pas, t'es grande. Artiste. Alors, je vais dire rêveur et artiste parce que rêveur, c'est vraiment mon bébé. Et entre étoile et artiste, c'est largement artiste que je préfère. Donc voilà, c'est mon petit nouveau couple. Oh, mais il est trop bon, mais mon bébé rêveur. C'est vrai, c'est mes camarguais, c'est mes bébés, je les aime trop. Limite, Galopin à côté, il est moche. Galopin, il est moche dans toutes les circonstances, mais voilà quoi. Alors ensuite, nous avons. Bah voilà, Osiris, dans l'ordre des choses. Mon petit bébé. Vraiment, Osiris, il est en train de passer dans mes chevaux préférés. Wow. Alors, hop, on en a deux. Ici, ici. Alors, nous avons Tornade. Tornade, ça va revenir souvent. Hein. Étoile, bah dis donc, étoile et Tornade. Oh non, je vois personne avec Osiris. Bah, je vais faire Osiris étoile. C'est toujours celui qui est à côté, tiens, j'ai remarqué. Osiris étoile, parce que, bah voilà, étoile, c'était mon petit bébé avant. Puis Osiris, c'est mon petit bébé maintenant. Puis étoile, bah c'est pareil, il n'y a toujours pas d'affection entre nous, désolé. La fin, elle va me détester là, je la fous toujours célibataire. Voilà, c'est la seule qui va finir sans étalon. Alors, il ne me reste plus beaucoup d'étalons. Hein. Crac. Oh, mon bébé cracounet. Crac. Et. J'allais dire que c'est il me manque des joueurs, mais. Bah étoile, dis donc, rien. Hein. Et. Lisse. Et il y en a quand même une de jument qui est pas sortie une seule fois là, dans les deux qui restent. Hein. Ah bah là, c'est. Je vous ai dit, c'est toujours le prénom à côté. C'est étoile. Regarde, je viens de remarquer ça, mais regarde, c'est trop magnifique. Ils vont trop bien ensemble. Regardez-moi. C'est l'amour fou entre eux. Parfaite harmonie. Voilà. Et Lisse, tu vas dans le célibat. Alors, le choix devient de plus en plus serré. Et nous avons Lucky. Il me reste qui là-dedans? Je sais plus beaucoup de monde. Jasmine. Non mais je vous jure, il reste trois juments. Celle qui est ici, elle est pas sortie une seule fois. Pas une seule fois. Donc Jasmine et Shai. Shai, Elise. Putain, ça fait Shai à l'envers. Je fais mes grecs comme mes H en fait. J'ai Shai depuis tout à l'heure, mais non, c'est Elise. Oh là là, Lucky. Oh mon pauvre. Lucky avec Lys. Parce qu'ils sont tous les deux gris, ça, voilà, les deux gris ensemble, ça va très bien. Pour la couleur, voilà. Voilà, voilà. Et puis Jasmine, tu retournes toute seule ici. Et là, bah en fait non, je peux te laisser là parce que ce sera Jasmine. Et donc la dernière, Blanche. Et depuis le début, elle, elle n'est pas sortie une seule fois. Et nous allons donc finir. Il reste deux prénoms, je prie pour que ce soit... Et purée, c'est... Bon, ça, non, moi, ça me... C'est Prince. Prince-Ounéa. Donc, Prince, par principe de la race, je vais le mettre avec Jasmine, parce que lui, elle, c'est une pitambienne. Donc, il y a des racines arabes. Mais c'est vrai qu'ils font beaucoup. Regardez, ils ont la même tête. Deux têtes de moche.
Nickel, parfait couple. Jasmine et Prince. Et donc notre dernier couple, ce sera Adidas et Blanche. Et ils vont trop bien ensemble, ça fait noir et blanc, ça fait yin et yang, ça fait la perfection. Oh, ils sont trop chauds, oh, Adidas c'est trop beau. Et c'est donc avec ce magnifique couple que forment rêveur et artiste que nous finissons cette vidéo. J'espère que ce tag vous aura plu, moi c'était, je vous jure c'est trop drôle à faire comme tag, vraiment. En plus tu juges trop les faux, c'est trop bien. Donc je tag une seule personne, je tag Dakota, comme ça elle pourra se venger sur Galopin dans son tag. Moi je trouve qu'elle fait un très beau couple avec Napoléon, voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre Dakota x Napoléon, je suis sûre qu'elle va apprécier de ouf. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.